De
procéder à l'ouverture de la journée syndicale du syndicat de médecins de la République démocratique du Congo, SIMECO en sigle, et ce, à l'occasion de son 10e anniversaire. Depuis quelque temps, des syndicats de diverses catégories professionnelles ont fait leur apparition dans notre ville, qui à l'instant de leur siège, bureau ou sous-bureau, selon les cas, ceux qui se sont tant l'importance accordée au développement organisationnel de notre ville dans différents domaines. Ce qui traduit également l'avancement développemental professionnel et intellectuel dans la ville, notre ville ferroviaire de Mouyadibou. Les organisations syndicales de médecins ont, comme toutes les organisations de ce type, un rôle de médiation. Elles portent d'abord un discours des revendications de la profession qui s'intéresse à la régulation de relations avec les pouvoirs publics. Les syndicats deviennent ainsi une véritable interface entre le médecin et l'État pour, pour la défense des intérêts des aînés. La santé est le socle de tout développement. On ne peut rien faire tout en étant malade. Le médecin qui vous aide est le dépositaire de nos secrets et les garants de notre santé avec l'aide du bon Dieu. Vous êtes avec les prêtres, ceux qui en nous, nous nous confions, l'un pour la santé du corps et l'autre pour la santé de l'âme. Comprenez donc votre profession et l'ombre et les événements de notre ville et province et notre pays en dépend. Disons, en dépit des difficultés socio-économiques, vous êtes toujours là, à côté de nos populations. Nous vous en remercions et vous encourageons d'en faire davantage pour notre population. Pendant que le gouvernement de notre pays se bat pour améliorer vos conditions, qu'ils ne soient pas encore à la hauteur de services nombreux que vous nous rendez et rendez à la population. De notre part, la mairie de la ville de Mouyadibou n'est pas restée indifférente à cette journée du médecin du SIMECO. C'est ainsi qu'elle est venue honorer cette activité syndicale liée au 2e anniversaire de SIMECO. Cependant, nous vous exhortons encore à davantage d'abnégation, de compassion et d'empathie pour une santé meilleure de notre population. J'en appelle donc ces jours mémorables à la conscience professionnelle de tout un chacun de nous, à déployer sa vocation pour le bien de tous. Je ne saurais terminer mon propos sans remercier le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui ne ménage aucun effort pour l'amélioration du vécu du Congolais en général et celui du médecin en particulier. Je déclare ouvert cette journée syndicale du 10e anniversaire de SIMECO et vous souhaite un joyeux anniversaire. La revendication officiellement présentée, c'était l'enveloppe salariale. On dit que le Premier ministre sortant, Adolphe Mozito, avait laissé dans les tiroirs un projet de barème pour les médecins internes pouvaient toucher 1000 dollars et les médecins généraux pouvaient aller jusqu'à 2000 dollars.
et la revendication était donc fondée. Mais au fond, au-delà des problèmes qu'il y avait déjà dans les syndicats, dans la corporation, la vraie revendication c'était la sollicitation des médecins de Kinshasa particulièrement, qui voulaient des exonérations sur les véhicules qui étaient commandés. Chose qui a été faite, le gouvernement a cédé à ces revendications des coulisses et on a accordé ces exonérations. Mais qu'est-ce qui arrive? Il n'y avait pas assez de véhicules pour satisfaire tous les médecins et il y a eu des contestations parmi les dirigeants des Sinamed à l'époque. C'est alors que les mécontents vont penser à la radicalisation de cette grève. Parce que pour les autres qui étaient satisfaits, on devait lever la grève. Mais pour les mécontents, il fallait radicaliser la grève. Oui, c'est une bonne chose, radicaliser la grève. La revendication présentée, c'est autre chose. Au fond, nous réclamons autre chose. Oui, la grève a été radicalisée, mais le gouvernement devait prendre des mesures rationnelles. Mesures rationnelles, c'était au juste la réquisition des médecins. Et donc, vous devez arrêter la grève et aller rentrer au travail. Et là, le piège, c'était la perte du statut spécifique des médecins qui devaient en découler. Vous savez jusqu'aujourd'hui que toutes les revendications des médecins tournent autour de ce statut spécifique. Alors, la corporation, courant le risque de perdre ce statut spécifique des médecins, et certains médecins, notamment les médecins des cliniques Ngaliema et de l'hôpital général de Kintambo, qui se sont associés aux médecins qui étaient déjà chassés des Sinamed parce qu'ils ne disaient pas la même chose avec les conseils les bureaux exécutifs nationaux des Sinamed à l'époque. Ils se sont mis ensemble pour créer Simeco en vue de sauvegarder les intérêts des médecins. C'est ainsi qu'est né pratiquement Simeco et c'est de cette façon-là que nous sommes allés jusqu'à sauvegarder cet intérêt des médecins, donc les statuts spécifiques des médecins. Le Simeco a ainsi été créé avec l'ambition de remettre sur la structure mentale du médecin les valeurs intrinsèques de la corporation médicale qui réhabilite sa noblesse, avec la démocratie et composante essentielle, avec comme démocratie la composante essentielle de sa gestion et de fonctionnement, ainsi que le travail conscientiel et productif, le socle des aspirations socio-professionnelles légitimes et légal de ses membres. Une politique simple qui consiste à veiller à l'équilibre qui doit toujours exister entre les intérêts des familles, les intérêts des employés, et les intérêts des populations que nous soignons et qui est les contribuables de l'État et de ses employés. C'est de cette façon-là qu'est né Simeco au Congo, et ça, c'est notre vision. Mais Simeco n'est pas venu tout de suite à Mwenedik, à Lomami, en 2012. Nous avons continué à rester membres des Sinamed tout ce temps, jusqu'en 2019. Qu'est-ce qui amène Simeco en province? Nous sommes en réunion des Sinamed, une réunion normale, ordinaire. Et là, au niveau national, on est en train de préparer un fichier pour l'alignement à la prime des risques des médecins. La province de Lomami régorgeant plus de 70% des médecins non primés à cette époque, se rend compte qu'il y avait déjà un fichier qui était préparé à l'hôtel Béatrice. Et dans ce fichier-là, il y avait zéro médecin de la province de Lomami. Les jeunes médecins indignés, déjà dans un contexte où dans la province,
nous avons assisté à des médecins qui étaient privés de leur crème, qui touchaient à la crème des risques, et du coup ils se réveillent un jour au début du trimestre, son nom n'est pas sur la liste de la crème, et donc il n'est pas là. Et donc il doit vivre sans prix, alors que pour la plupart des médecins ici sont sans salaire, c'est seulement de cette crème-là qui nous vivent. Et ce médecin-là n'avait même pas de voies de recours, il ne savait même pas par où entrer pour recouvrer les droits. Abandonné, nous savons qu'il existait déjà un syndicat, un autre syndicat, des Simeco. Alors, à ce cri d'alarme, nous avons contacté, ensemble avec les amis du Conseil national des Simeco, jusqu'à faire venir les Simeco. De la naissance de Simeco est venu le fameux fichier des Biquois, parce que le fichier de l'hôtel de la Christ, qui n'était même pas connu de cette façon à son temps des Sinamètes, qui était notre syndicat, parce que le fichier était amené par un confrère à Tadou, qui était en contact avec les amis de Kinshasa. Alors, on ne sait pas qu'est-ce qu'il faut faire. Il faut constituer un fichier des médecins qui ne sont pas primés. Et localement. Les fichiers sont constitués rapidement et on a sensibilisé à travers la province. Les fichiers sont constitués et finalement nous avons eu le fichier de Bibois où on a intégré tous les médecins de Mouenélique et aussi de la province de Mouenélique. Et ces fichiers-là, en cours d'exécution, tous ces médecins-là sont déjà primés à ces cours et nous sommes en préparation. C'est un fichier additionnel. C'est comme ça que Simeco est arrivé en province et nous continuons à défendre les intérêts. C'était juste un point historique comment nous sommes arrivés du niveau national jusqu'au niveau provincial de Simeco. Merci. On ne peut pas passer beaucoup de temps. J'invite Dr Dieudonné va nous montrer le fonctionnement et le cadre de Simeco. Organe et fonctionnement du Simeco. Contexte et justification. Être membre d'une association impose le besoin pour le membre de connaître les organes et le fonctionnement de la dite association pour interagir avec elle et mieux y jouer son rôle. Organe et fonctionnement du Simeco. Ceux qui connaissent ou ont déjà lu les statuts du Simeco savent que le Simeco a des organes à trois niveaux. Nous avons le niveau national, le niveau provincial et le niveau local. Il tient de noter qu'il y a les organes délibérants et les organes d'exécution. Les organes au niveau national. Le premier organe, c'est le congrès. Composition. Il faut d'abord savoir que c'est l'organe suprême du syndicat. Il est composé de tous les délégués élus du syndicat au niveau national, provincial, local et les membres délégués du conseil des sages du Simeco. Compétence. C'est l'organe compétent pour statuer sur le bilan de l'exercice de gestion du bureau exécutif national, la désignation et l'investiture des membres du conseil des sages, l'approbation des rapports du conseil des sages, l'orientation de la politique générale 41 et les actions du syndicat. L'élection des membres du bureau national exécutif, l'exclusion des membres du conseil des sages, la modification des statuts et la dissolution éventuelle du syndicat. Périodicité d'activité. Il s'est réuni tous les 4 ans sur convocation du secrétaire général, soit d'office, soit à la demande du conseil des sages, soit à la demande de la majorité absolue des membres. Conseil national.
Sibeko. Composition. Le Conseil national est composé des membres du Bureau exécutif national, du Bureau exécutif provincial, du Bureau des conseils des sages et des bureaux exécutifs provinciaux. Compétence. Il a pour compétence de statuer sur toutes les mesures indispensables à la bonne exécution des décisions du Congrès, le budget annuel des rapports d'activité des contrôles annuels du Bureau exécutif national, les actions nationales annuelles à mener et les tâches à exécuter, l'orientation annuelle des activités du Bureau exécutif national, la modification du règlement d'ordre intérieur, périodicité d'activité. Il s'est réuni une fois l'an en session ordinaire sur convocation du secrétaire général, soit d'office, soit à la demande du conseil des sages, soit à la demande de deux tiers de ses membres. Trois, c'est le conseil des sages. Composition. Il est composé de tous les membres initiateurs et de tout autre membre du syndicat désigné et investi par le Congrès au regard des actes positifs posés en faveur du syndicat. Compétence. Il est l'organe des cautions morales du SIMECO. Il veille à ce que les organes du syndicat fonctionnent en conformité du but de sa création, de sa vision et de ses statuts. Il a en conséquence pour compétence de donner des recommandations au Bureau exécutif national et au Bureau exécutif provincial, donner des avis avant la prise des décisions organisationnelles d'importance vitale pour les syndicats, organiser d'office l'audit interne du syndicat, apprécier les votes des cadres et dirigeants du syndicat et proposer les mesures exécutoires aux organes compétents. Arbitrer le cas échéant, s'assurer en dernier ressort sur tout conflit entre organes et dirigeants du syndicat. Période d'activité. Il s'est réuni une fois l'an sur convocation du président du conseil des sages, soit d'office, soit à la demande des deux tiers de ses membres, soit à la demande du conseil national, soit à la demande de la majorité absolue des membres effectifs du syndicat. Quatrième organe, il s'agit du bureau exécutif national. Composition. Il est composé du secrétaire général et de ses cadres à deux chargés respectivement et selon l'ordre de présidence du secteur public, du secteur privé, des relations extérieures ainsi que de l'administration et des finances. Compétence. Diriger le syndicat au niveau national dans les débats du Conseil national, préparer l'ordre du jour des séances du Conseil national et rendre annuellement compte à celui-ci. Exécuter et faire exécuter les décisions du Congrès et du Conseil national. Élaborer le programme d'action annuel et le budget annuel du syndicat qui doit être adopté par le Conseil national. Élaborer le programme d'action annuel et le budget annuel du syndicat qui doit être adopté par le Conseil national. Représenter le syndicat devant les instances politiques, administratives et judiciaires. Engager et le cas échéant, relever les deux fonctions des agents administratifs soumis à ces services. Statuer en matière d'ordre et de discipline sur l'état du syndicat. Exercer toute autre fonction lui dévolue par les statuts et le règlement intérieur. Représenter le syndicat devant les instances politiques et administratives provinciales. Engager le cas échéant de rélever de leurs fonctions les agents administratifs connus à
statuer en matière d'ordre et de discipline sur les cas de sous. Exercer toute autre fonction bénévolée par les statuts et le règlement intérieur. Si nous allons maintenant parler des organes au niveau local. Le premier organe, il s'agit de la section syndicale de base, composition. Elle est composée de tous les membres du syndicat et vont dans un service, entité territoriale ou administrative organisée. Compétence. Elle a pour compétence de statuer sur le budget annuel et le rapport d'activité annuel des contrôles du niveau syndical de base. Les actions locales à mener et les tâches à exécuter. L'organisation annuelle des activités du bureau syndical de base. L'élection au scrutin secret de membres du bureau syndical de base pour un mandat de 3 ans. Pénocité d'activité. La section s'est réunie 4 fois non. Des autres organes locaux, il s'agit du bureau syndical de base. Sa composition. Organe local de direction du syndicat, il est composé d'un secrétaire syndical, d'un secrétaire syndical adjoint chargé de l'administration, un secrétaire syndical adjoint chargé des finances et, le cas échéant, des deux conseillers pour les sections syndicales de plus des 100 membres. Compétences. Le bureau syndical de base est compétent pour diriger le syndicat au niveau local dans les terrains des assemblées générales, préparer l'ordre du jour et rendre compte celui-ci. Percevoir et recouvrir les cotisations syndicales. Exécuter et faire exécuter les décisions de l'assemblée générale, de la section syndicale de base et les organes hiérarchiques du syndicat. Élaborer le programme d'action annuel et le budget annuel devant être adopté par la section syndicale de base. Mener la propagande en vue de l'affiliation des médecins au syndicat. Engager et le cas échéant, relever de leurs fonctions les agents administratifs connus à ces services. Exercer toute autre fonction lui dévolue par les statuts et règlements intérieurs. Pénocité d'activité, 2 fois par mois. Observation importante. De la base au sommet, tous les membres du SUVECO ont un rôle à jouer pour le bon fonctionnement du SUVECO. Tous les organes du SUVECO peuvent se réunir de manière extraordinaire toutes les fois que l'intérêt du syndicat l'exige. Pour son bon fonctionnement à tous les niveaux, la cotisation syndicale est répartie comme suit. Il y a un tiers au niveau national, un tiers au niveau provincial, un tiers au niveau local. Attente pour cet exposé, bien sûr. Cet exposé devra permettre aux participants ici présents de se rappeler les organes et le fonctionnement de leur syndicat. Nous avons dit et nous remercions. Nous avons terminé avec Dr. Denis Chipan. J'invite Dr. William Sassa pour la réalisation et perspective Sénico. Madame la maire, messieurs les membres du comité de sécurité urbaine, messieurs les bourgmestres de la commune de Bonilitou, messieurs les présidents du conseil ou de la cellule de l'ordre des médecins ici représentés, messieurs les présidents ou les secrétaires principaux de la section de base de Bonilitou, chers médecins et distingués invités, nous vous présentons les réalisations et perspectives de notre syndicat Sénico. 10 ans après la création du Sénico, le médecin congolais en général et les membres du Sénico en particulier est en droit de s'interroger sur
tenir de croire à ses perspectives d'avenir. C'est là qu'il est d'autant plus vrai que l'on en est aujourd'hui avec un peu de recul en droit de se demander si la création de Simeco valait la peine ou pas dans l'histoire culturelle de notre corporation. Les réalisations des 10 ans de Simeco, aussi connues, tous les détracteurs de Simeco voulaient savoir ce que les Simeco avaient déjà fait en faveur de l'Alsace. L'immense défi pour les Simeco était donc, dès sa création, de se battre pour les intérêts des médecins, au même moment où il devait relever les défis de son implantation. La première grande réalisation du Simeco est d'avoir relevé les défis de sa propre survie après sa création dans un contexte hérite et impitoyable adversité. Tout a été dit autour du Simeco, syndicat moralé, syndicat sans siège, syndicat sans membres, et j'en passe. Des défis majeurs ont donc été relevés, notamment absence de moyens financiers pour l'implantation, diabolisation à outrance du Simeco, qualifié à tort de syndicat du gouvernement, contrôle total et exclusif de la paye des médecins par le SINAMED, compte intermédiaire à sa présence exclusive dans la commission de la paye des médecins, attitude partisane et partiale au départ de l'ordre des médecins sous le mandat des docteurs Boutoukou Bambili face au Simeco qui rejetait le pluralisme syndical dans la corporation médicale en dépit des dispositions légales et réglementaires qui les consacrent, concurrence déloyale imposée de ces faits par des autorités politiques, administratives, judiciaires et sécuritaires. Tous ces défis ont été relevés avec intelligence et courage. C'est ainsi que le Simeco est là, toujours là, et nous en sommes tous fiers. Assainissement global de l'environnement des pays des médecins, ça fait aussi partie des réalisations du Simeco pendant ces 10 ans, notamment le démantèlement des réseaux mafieux qui gangrènent les circuits de la paix par l'obtention de la suppression de tous les intermédiaires illégaux dans la paix et l'émission de contrôle de la paix des agents du secteur de la santé en général et des médecins en particulier. De nombreux fictifs ont été éradiqués, mais les combats doivent continuer. L'alignement de médecins non payés à la prime des risques, sans contrepartie, sexe ou argent, etc. L'institution d'un cadre de travail comprenant toutes les parties prenantes pour la sécurité, la confiance et la paix institutionnelle. Hormis cela, il y a la réfixation du combat syndical autour du vrai cahier des charges. Parmi les réalisations du Simeco, il y a la restauration de la prime de risque professionnel dans son contenu initial et dans son équivalence avec la prime de fonction académique payée aux professeurs ordinaires de l'ESI ou le médecin général, et la réhabilitation des indices statutaires des 1 à 2. Il y a la remise sur la table et de manière sérieuse du dossier des promotions au grade et la mise à la retraite des médecins des services publics de l'État. Les membres du Simeco n'ont pas fait la honteuse opération de falsification des grades de paix. Mise en vedette de la problématique d'un traitement de base spécifique pour sécuriser la carrière et la fin des carrières des médecins. Et l'autre réalisation importante que le Simeco a réalisée pendant ces 10 ans pour ces médecins, il y a les accords de partenariat avec les banques payeuses pour la réalisation des projets sociaux et ceux en faveur de nos membres. Accord de partenariat avec la BIAC
et les projets Un véhicule pour tout médecin, réalisés avec succès en dépit des rudes épreuves nous imposées par nos adversaires. Accord de partenariat avec Equity BCDC, avec possibilité d'obtenir un crédit maison, véhicule ou divers. Accord de partenariat avec la RAO Banque, avec possibilité d'obtenir un crédit maison, véhicule ou divers. Dans les accords, le SIDECO joue, grâce à la Caisse commune de solidarité, les rôles déstructurés ou des structures de caution de crédit octroyées par les banques et c'est fait faciliter la relation commerciale entre les banques et ses affiliés. Il constitue donc un facilitateur entre les banques et ses membres, faisant ainsi une relation banque-Sibeco-médecin. Et là, ce sont les réalisations, parlant également des perspectives d'avenir. L'implantation du Sibeco, parachever l'implantation du Sibeco par l'installation des bureaux syndicaux de base dans tous les territoires, villes, institutions publiques et privées, et par une tournée de consolidation en province, organiser et piloter le premier processus électoral des animateurs du Sibeco devant déboucher en connaissance de cause. Et permettez-nous de parler du rôle stratégique que doit jouer le médecin membre du Sibeco qui œuvre dans la ville de Mérédite-Oubissan et ses environs. Il doit d'abord avoir une bonne information, savoir que son action impacte directement sur l'autorité urbaine et se comporte en conséquence. Que dirais-je encore? Je vais vous remercier pour l'attention. Nous allons alors passer à la fin. J'invite le président des cellules de l'ordre médecin pour le mot de circonstance. Monsieur le bourgmestre de la commune de Mouniditou, Monsieur le membre de sécurité de Mouniditou, chers confrères, membres de Sénégal, au nom de la cellule de l'Ordre de médecins de Mouniditou, nous tenons d'abord à vous remercier de nous avoir invités pour cet anniversaire de votre 10e année. Au fait, l'Ordre des médecins étant un organe qui régit tous les médecins, quelle que soit l'appartenance syndicale, nous savons que nous avons signé pour SINAMED, SILIMED, beaucoup de syndicats, mais l'Ordre des médecins, c'est comme, je dirais, un point de repère. Ce que nous avons à dire, c'est d'inviter tous les médecins vraiment à être actifs dans toutes les réunions que nous devons organiser. Car nous, en tant que médecins, nous devons connaître nos droits, nos devoirs. Beaucoup d'entre nous ignorent. Dans l'organisation de nos réunions, nous vous invitons à être là, à participer, parce que nous avons des journées scientifiques que nous organisons. D'ailleurs, au trimestre prochain, une journée scientifique sera organisée dont le thème nous sera communiqué. Donc, nous invitons à tous les membres, à tous les médecins, là nous parlons au nom de la cellule, à tous les médecins de participer
vivement et massivement aux réunions que nous organisons. C'est pour nous permettre de bien évoluer. Et aussi, les contributions. Excusez-moi d'en parler ici, hein, parce que c'est avec vos contributions que notre bureau va fonctionner. Sans contribution, on n'organisera pas de réunion. On n'aura pas de journée scientifique. Donc, nous invitons à tous les médecins, quelle que soit votre appartenance syndicale, de venir d'assister aux réunions que nous organisons. Cela va nous encourager à aller plus loin. Tel est mon petit mot en tant que représentante de la cellule de l'Ordre des médecins. Sinon, merci beaucoup. Merci. La représentante du président de la cellule de l'Ordre des médecins, j'invite Dr. William pour le mot de remerciement. Et c'est à la fin de notre vie. Madame le maire, messieurs les membres du comité urbain de sécurité, messieurs les bourgmestres, messieurs les présidents de la cellule de l'ordre des médecins représentés, messieurs les secrétaires principaux de la section de base du CIVECO de Bénédicte, chers confrères et distingués invités, madame, c'est encore pour nous une grande joie et une fierté de vous voir à notre côté pour cette journée syndicale de notre anniversaire. Et c'est de vivre vous voir que nous saluons votre présence, la présence du comité libéral de la sécurité, messieurs les ministres et de tous, à cette journée. Et au nom du bureau provincial, bureau exécutif provincial de CIVECO Lomami, nous vous remercions. Merci. Merci, chers confrères, d'avoir été là pour cette journée qui, du reste, est la vôtre. Et pour ces derniers mots de remerciement, nous ne manquerons pas de vous demander encore davantage d'être actif pour les prochaines activités syndicales. Nous disons en connaissance de cause. Et permettez-nous de parler du rôle stratégique que doit jouer le médecin membre du CIVECO qui œuvre dans la ville de Bénédicte-Toubissant et ses environs. Il doit d'abord avoir une bonne information, savoir que son action sur l'autorité urbaine et se comporte en conséquence. Que dirais-je encore? Je vais vous remercier pour l'attention. Nous allons rendre ce presque à la fin. J'invite le président des cellules de l'ordre des médecins pour le mot de circonstance. Quelle que soit l'appartenance syndicale,
Nous savons que nous avons signé pour Sinamed, Silimed, beaucoup de syndicats. Mais l'ordre des médecins, c'est comme, je dirais, un point de repère. Ce que nous avons à dire, c'est d'inviter tous les médecins vraiment à être actifs. Dans toutes les réunions que nous devons organiser. Car nous, en tant que médecins, nous devons connaître nos droits, nos devoirs. Beaucoup d'entre nous ignorent. Dans l'organisation de nos réunions, nous vous invitons à être là, à participer, parce que nous avons des journées scientifiques que nous organisons. D'ailleurs, au trimestre prochain, une journée scientifique sera organisée dont le thème nous sera communiqué. Donc, nous invitons à tous les membres, à tous les médecins, là nous parlons au nom de la CNU, à tous les médecins de participer vivement et massivement aux réunions que nous organisons. C'est pour nous permettre de bien évoluer. Et aussi, les contributions. Excusez-moi d'en parler ici, hein, parce que c'est avec vos contributions que notre bureau va fonctionner. Sans contribution, on n'organisera pas de réunion. On n'aura pas de journée scientifique. Donc, nous invitons à tous les médecins, quelle que soit votre appartenance syndicale, de venir d'assister aux réunions que nous organisons. Cela va nous encourager à aller plus loin. Tel est mon petit mot en tant que représentante de la CMI de l'Ordre des médecins. Sinon, merci beaucoup. Merci. La représentante du président de la CMI de l'Ordre des médecins, j'invite Dr. William pour le mot de remerciement. Et c'est des mots, et c'est à la fin de notre vie. Madame le maire, messieurs les membres du comité urbain de sécurité, messieurs les bourgmestres, messieurs les présidents de la cellule de l'ordre des médecins représentés, messieurs les secrétaires principaux de la section de base du Cimeco de Bénédicte, chers confrères et distingués invités, madame, c'est encore pour nous une grande joie et une fierté de vous voir à notre côté pour cette journée syndicale de notre anniversaire. Et c'est de vivre vous voir que nous saluons votre présence, la présence du comité libéral de sécurité, messieurs les ministres et de tous, à cette journée. Et au nom du bureau provincial, bureau exécutif provincial de Cimeco Lomami, nous vous remercions. Merci. Merci, chers confrères, d'avoir été là pour cette journée qui, du reste, est la vôtre. Et pour ces derniers mots de remerciement, nous ne manquerons pas de vous demander encore davantage d'être actifs pour les prochaines activités syndicales. Nous disons longtemps coupé. Saluez la paix de votre souveraineté.
excellence, la manifestation d'aujourd'hui est terminée. Nous venons certes de clôturer la manifestation, mais nous vous invitons à partager avec nous un verre juste après. Thank you.